tout le monde, ici Gamer King pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Jak and Daxter. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien comme d'habitude. Et ça fait longtemps que j'ai pas tourné, ça fait une semaine peut-être une semaine. Et on a terminé la grotte aux araignées à 100% que j'ai galéré dans le dernier épisode. On a terminé la montagne enneigée à 100%. Et on a terminé le cratère volcanique à 100% aussi. Et on a terminé tout simplement le col de la montagne à 100%. Voilà. Et on est rendu à se diriger vers la fin du jeu en se dirigeant vers le canal Lavik, qui va nous emmener tout simplement à la dernière zone que vous allez voir. Je vous le dis pas comment qu'elle s'appelle, parce que ça me tente pas. Je suis cruel. Non, ça me tente pas vraiment qu'on fasse la dernière zone, mais on arrive. On est à 91% du jeu, donc mine de rien, on avance. On a bientôt fini. Et ce sera mon premier let's play fait à 100% honnêtement. Ben honnêtement, oui, ça va être mon premier fait à 100%. Ouais, je crois que oui, en fait. Voilà, le canal Lavik. C'est parti. Très bien. Avec ces piles d'énergie supplémentaires, je peux alimenter le bouclier thermique pour qu'il résiste à toute cette lave. Mais le bouclier a ses limites. Il résistera à des températures proches de 800 degrés, mais pas plus. Alors surveille la jauge. Je n'ose pas imaginer ce que causerait de telles températures à ton zoomer si tu n'avais plus de bouclier. Eh, ouais, c'est chaud, là. Quoi ? Le zoomer ? Hé, hey, et nous alors ? Y aurait pas un autre chemin pour aller à la citadelle de Gaulle ? Écoutez, j'ai lâché d'autres ballons de refroidissement dans le canal pour que vous fassiez baisser la température. N'oubliez pas d'activer la porte de téléportation dans le labo du sage jaune. Nous comptons sur vous. Bon, voilà, en fait, c'est dans la citadelle de Gaulle. Et Daxter a fait une petite blague. Un petit jeu de mots. Ça va être chaud. Et je pense que, ouais, il a raison parce que j'en ai manqué. Ah! Va-t'en en lave, même pas. Bon, bref. J'ai foiré, là, c'est n'importe quoi. Juste pour recommencer. Bref, c'est pas trop grave. Voilà, c'est dans la... Bah, c'est ça, il faut qu'on aille dans cet hôtel de Gaulle, tout simplement. Merde, mais j'en rate depuis tantôt. Suicide-toi, allez. Bon. Et oui, je crois que ça va être mon premier jeu fait à 100% de mémoire. Mine de rien, c'est très rare que j'en ai fait à 100%. Peut-être que j'en ferai d'autres. C'est pas exclu. Il y a beaucoup d'autres jeux que je peux faire à 100% assez aisément. Parce qu'ils sont quand même pas difficiles, ils sont assez simples. J'ai pas d'idée pour quel jeu. J'ai quelques idées pour faire 100%, mais je ne suis pas sûr si ça va être le remplaçant. Parce que j'ai d'autres trucs aussi que je veux faire. Comme me payer peut-être une nouvelle webcam, en fait. Parce que je veux faire mon prochain let's play intégralement en facecam, pas comme que j'ai fait au début de Jak. Oui, je veux faire ça intégralement en facecam, puis ma cam arrête pas de bugger, surtout avec Premiere en fait. Avec vu que j'ai changé de logiciel de montage qui est rendu Premiere, il bug avec Premiere mais pas avec avec Vegas. Mais avec Vegas, la qualité en fait c'est que la cam va à... Oh! Non, c'est foiré. La cam va à peut-être 20 fps. Puis vu que généralement mes rendus c'est genre 30 voire 60, je pense pour dire que c'est 60. Final Fantasy, donc bon, maintenant c'est 60. Tout simplement que j'enregistre en 60 FPS, donc puis je demande à mon logiciel tout simplement. Ben c'est pas un tuto pour ça. Puis c'est ça, donc la cam à cause de ça lag, puis ça me plaît pas la qualité. Donc j'aurais dû prendre des ballons. Je pense à ça, j'aurais dû en prendre.
Ouais, c'est ça. Donc, la qualité n'est pas très belle de ma cam. Donc, je l'ai fait pas. Tombe, c'est foiré. Vu que la qualité. Non! J'ai pas ça de checkpoint! Sans deck! Bon, pas grave. Ouais, généralement, le monde font. Oh mon dieu, oui, j'ai enfin passé un checkpoint. Moi, je suis genre. Non, mais non, pas de checkpoint. Allez! Oh! Oh! Bon, pas grave, de toute façon, recommencer. Ici, on dirait que la. Allez, parfait, on peut continuer. Au pire, je vais continuer, puis rendu. Je peux-tu retourner par en arrière? Oui, je peux! Mais c'est un petit peu chaud, mais je peux. Je vais essayer. Ouais, quel jeu de mots. Je fais des jeux de mots comme Daxar, moi. C'est fou. J'en ai raté ici. Voilà, j'ai toutes les orbes. Il m'en manquait 3-4. Puis je les ai ratés. Bref, c'est pas trop grave. Voilà, on les a récupérés. C'est pas long, le canal avec. Je trouve. J'ai déjà ramassé les orbes. Ah! Oui, parfait. Fais attention. Là, c'est assez dangereux parce qu'il faut savoir comment manier le zoomer. Sur ça, c'est assez difficile parce qu'il déraille assez vite. Je crois finir Jak and Daxter dans le prochain épisode. Je pense. Pour l'instant, je me débrouille pas mal. Peut-être que ça va pas prendre 20 minutes pour le finir non plus. Pour finir le canal Lavic. Mais là, je suis en train de crever depuis tantôt. Donc, je risque de. Que ça prenne 20 minutes. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand même, les checkpoints sont pas tellement dégueulasses. Donc, ça nous permet de recommencer quand qu'on veut. Mais c'est surtout que je peux pas recommencer quand que je veux parce que je suis en vidéo. Faut pas que ça prenne une heure non plus. Ça serait un petit peu ballot. Allez, voilà. Oui, parfait. Fais attention. Jak. Je vais jamais faire Jak 2. Parce que déjà, Jak 2, je pense qu'il est plus rasant que Jak 1. Donc, puis c'est sûr que si je fais Jak 2, je vais sûrement le faire en facecam, mais pas à 100%. Ça, c'est sûr. Sauf si vous voulez que je meure en vidéo. Ça serait un petit peu dommage. Non, Jak. Non, Jak. Oh là là. Pas grave. Allez. Oh, je pensais que je m'en allais tomber. Ça aurait été un petit peu dommage. Allez, on prend ça. Puis il y a certains jeux que j'ai goût de faire, mais j'ai testé. Vu que la seule possibilité que je peux le faire, c'est sur émulateur, mais mon PC n'est pas assez puissant. Donc, ça fait que c'est pas une belle qualité. Donc, je peux pas le faire, le jeu. Malheureusement. Mais c'est ça. Voilà. J'ai quand même un PC assez puissant pour émuler sur GameCube, en fait. C'est un jeu sur GameCube. Exclusivement sur GameCube. J'ai quand même un PC assez puissant pour émuler GameCube, mais pas tous les jeux, évidemment. C'est quand même un émulateur qui demande beaucoup de puissance, la GameCube. Ah, oh, ça fait mal. Oh, phew, ok, bon. Anti-checkpoint, c'est fou. Fais attention au case, aux boîtes d'écho noir. Ah, oh, ça fait mal, les mines. Puis aussi, il faut qu'on fasse attention aux mines. Fais attention, tombe là-dessus. Oui! Oh non! Bon. Bon. Bravo, Jak. Et on prend ça. Fais attention. Ouais, puis le remplaçant de Jak. Une minute, désolé. J'ai oublié de faire de quoi. Ben là, je vais pas le faire parce qu'ils sont en pleine phase de gameplay. Donc, c'est super débile. Une minute. Je vais mettre ça. Allez. Voilà. C'est parfait. Désolé. Parce que mon PC,
ferme après un certain temps. Puis je n'ai pas encore réglé ça. C'est ça. Ben, comme beaucoup de PC, ils ferment après un certain temps. Puis il faudrait que j'aille régler ça. Mais ça me tente pas. Mais j'ai pas eu le temps encore. Puis, ah, une nouvelle mécamousse. Pourquoi? Une mécamousse. Pas une mécamousse. Ah, parce que j'ai ramassé toutes les mécamousses. Ok. Le mec qui se concentre pas. Vous sentez ça? Là, je vois une autre pile d'énergie plutôt. Parce que pas mécamousse. Et voilà. Nouvelle pile d'énergie. Vroom, vroom, vroom. Ok. On peut activer le téléporteur. Allez, le téléporteur. C'est terrible. Père a disparu. Je crois bien que Gol et Maya l'ont kidnappé lui aussi. Du calme, ma belle. Je contrôle la situation. Tu contrôles? Les armées Lurkers continuent de se déployer. Les sages ont été kidnappés. Gol et Maya ont rassemblé assez d'échos pour mettre leur terrible plan à exécution. Et pour les arrêter, il va falloir que vous parveniez à leur citadelle. Ouais. C'est à peu près ça. Il faut que vous sauviez mon père avant qu'il ne soit trop tard. Et Jack, sois prudent. Ouais, nous le serons. Ok, ouais, c'est comme ça, hein. Bref, on est rendu dans la citadelle de Gol et Maya. Puis, je vais pas arrêter là, on est à 12 minutes, là, c'est ça. Je pensais faire ça dans le dernier épisode, mais je pense commencer maintenant. Peut-être peut-être pas l'arrêter au milieu. Donc l'épisode va être peut-être plus long. Vous êtes enfin décidé à venir. C'est un vrai plaisir. Alors c'est vous qui passez la serpillière maintenant. Pas le temps de plaisanter, Dapser. Gol et Maya nous ont kidnappés pour atténuer notre énergie et alimenter leur abominable machine. Ils ont combiné les restes fonctionnels d'un robot précurseur avec des objets récupérés dans tout le pays. Puis, ils ont ajouté quelques diableries de leur cru pour créer la seule chose capable d'ouvrir les silos des connoirs. Si vous nous libérez tous les quatre, nous associerons nos pouvoirs pour détruire le champ de force du robot avant qu'il ne s'en serve pour détruire le monde. Bref, le robot qu'on a vu dans la grotte aux galas, non, dans la grotte aux araignées, je pense que c'est lui, en fait. Donc, c'est ça. Oui, j'ai attaqué le pourcentage, on est à 94%. Puis on doit libérer le sage bleu, le sage rouge, le sage jaune et le sage vert, qui est sûrement en dernier. Je pense, de mémoire, ouais. Puis libère les 7 mécamouches, on en a 200. Donc on va avoir les deux. Comme vous pouvez voir, le total collecté, on va avoir les 200 qui nous manquent. Pour ça, ils disent pas. Ok, c'est débile, ils disent pas. Puis pour les mécamousses, il nous en manque 7. 105 sur 112. Ça va faire 112, je crois. Donc on peut y aller. On va essayer de ramasser les mécamousses, les orbes aussi, parce qu'on veut faire la zone à 100% aussi. Et là, il faut qu'on fasse attention parce que dès qu'on pile sur une comme ça, si on marche dessus, tout de suite la même couleur disparaît. Puis, je sais pas pourquoi, tout a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai ramassé toutes les orbes, donc c'est parfait. Je m'en ai tombé. Parce que j'avais pas bien pris la manette correctement. Donc, ma manette. J'ai mon stick. Bon, on s'en fout. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Merde. Ça fait tellement dégueu. Bon, on continue. On va aller par là-bas. Oui, parfait. Je crois qu'il y a une mécamouche. J'adore les mécamouches. Oh, attends. Sale ordure. Non, on va aller par là-bas, en fait. Avant, parce que je sais que là-bas, il y a un chasse qu'on peut libérer. Allez. Parfait. Allez. On attend. Alors, fais attention, Jack. Parfait.
pensais tomber, mais non. Attends, je vois tellement pas, la caméra n'est pas avec moi. La caméra n'est pas présente aujourd'hui. Bon, parfait. Notre mécamouche, c'est parfait. Allez, va par là. Et on frappe. Voilà, notre deuxième. On avance quand même plutôt bien. 'Pense que je vais tomber. Bon, oui, c'est ça. Checkpoint. Ok, checkpoint gentil aujourd'hui. Ok, bon. On dirait que je touche un petit peu une plateforme, puis je tombe systématiquement. Ben non, je tombe pas systématiquement. Je parle que... Comment dire... que si je touche un petit peu la... Je frôle un petit peu une des plateformes, la plateforme tombe direct. La caméra n'a pas aidé. Franchement. Non! Bon, c'est pas réussi. Je voulais faire une roulade, ça foirait. Non, Jack! Non, Jack! Accroche-toi pas! S'accrocher, ça vient se suicider. Bon, le dernier, c'est quoi, en fait? C'est un zone. Donc, on essaie d'éviter les zones. Comme là, parce que je l'ai fait. Oh, parfait! Parfait, Jack. C'est parfait. Ah, là, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on aille détruire les générateurs de leur cœur, s'il me semble. Il me semble. Mais ça me prend de l'éco-zone, tout simplement, pour... C'est comme un petit peu comme la montagne enneigée, il me semble. Ben, il me semble. Il y a une force comme ça dans la montagne enneigée. C'est à peu près comme ça. Allez-vous-en! Oh là là! Je vais mourir! Bon, je vais mourir ici. Voilà. Non, en fait, j'avais de la vie. Oh, il donne la vie en plus. Oh, c'est gentil. C'est très gentil. C'est très gentil. C'est très apprécié aussi. Il faut tout que je les bute. Dégagez. Il me saoule. Allez, vous-en. Allez, parfait. On peut y aller? Oui, parfait. Fais attention, Jack, tu vas tomber. Caméra, tu te calmes. Parfait. Je crois qu'on est bien. On a bientôt libéré le sage. Ouais. Oh, le Jack! Oh non! Oh là là, Jack! Sérieux? Sérieux? Le checkpoint de la mort! Le checkpoint de la mort! Ça fait... Non, tu peux pas foirer. Sans ça, tu dois tout recommencer. Bon, allez, Jack. Pourquoi tu t'es pas accroché? Tu me le dis. Ça te tente pas... T'es fatigué? C'est pas une raison. Allez. Par là. Parfait. Ok. J'ai trouvé une technique plus facile. Je crois qu'ils ne sont plus là. Ça va être parfait. Allez. Parfait. On y va. On y retourne. On attend. Bon, ça veut dire tout simplement non. Ne crevez pas ici. C'est une mauvaise idée. Oh merde, j'ai foiré. Non, j'ai foiré. Allez, parfait. Beau gosse ou pas? Allez, parfait. Allez, on libère le sage rouge, il me semble. Il avait l'air d'être rouge. Donc, ça doit être le sage rouge, évidemment. C'est logique. Vous venez enfin à mon secours. Vous savez depuis combien de temps je suis là-dedans? Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Comment vous appelez-vous, Je suis Daxter. Et lui, c'est Jack. Il m'accompagne. Bien joué, Daxter. Tu es un vrai héros.
Il faut que vous empêchiez Gol de lancer le robot. Je vais utiliser mon pouvoir pour ouvrir le champ du bouclier. Ok, merci. Moi, mais Daxar ne me sert pas juste à ma compagne. Je ne sers pas juste à accompagner Daxter, ok? C'est dit. Allez, on prend l'écho bleu pour descendre avec l'ascenseur. Voilà, encore des orbes précurseurs. Ça, c'est sûr que je l'avais pas. Oh oui, je l'ai eu, ok. C'est par où que je pourrais aller? Là-bas, c'est où qu'il y avait le sas rouge, donc ça doit être par là-bas. Allons-y, c'est parti. Fais attention, vous faites n'importe quoi là. Bref, c'est pas trop grave. Par là. Fais attention. Bon, ça c'est un petit peu un gros fail. 5 points. Les checkpoints, super gentils, hein. Bon, bref, c'est pas trop grave. Bon, allez. Parfait. On recommence encore. Voilà, on le tue. Puis on passe. Les checkpoints anti. Bon. Les checkpoints super gentils, c'est fou. Ok, j'ai réussi à tomber sur la plateforme, c'est parfait. Voilà. Il faudrait qu'elles arrêtent de recommencer. Mais c'est parfaitement normal que je fais ça. De toute façon, dès qu'on a toutes les orbes, c'est plus simple. Daxter. Non, Daxter. C'est pas bien. Daxter. Non, Jack. C'est Jack. Que je contrôle, c'est pas Daxter. Allez, parfait. On recommence. On va l'avoir cette fois-ci. Là, je pensais que j'en avais plus, j'en avais oublié, mais non. Donc, technique de la mort qui tue. Voilà, voilà, fini. Fini. Alors là, je pense que c'est un jeu de plateforme, il me semble. Comme le jeu. Ok, phew. Le checkpoint est gentil. Le checkpoint est rendu gentil. Mais je crois qu'il va nous détester. Qu'il va nous faire des petites blagues. La caméra bouge plus. La caméra voulait même pas bouger. Sérieux. Ah là, il y a du feu qui vient nous cramer les fesses. Et là, je viens de tomber. Oh là là, bon. Allez, parfait, on attaque. Allez. Allez, on fait du n'importe quoi, je sais pas. Go, on y va. On y va, plutôt. On attend la plateforme qui est arrivée. Allez. Fais attention. Vas-y, longue-toi. Caméra. Gentille caméra. Gentille. Gentille. C'est par là. Je pense que... Je sais pas. Ah, il fallait... C'est débile. Sérieux, c'est débile. Bon, là, il faut qu'on a... que j'attende la plateforme. C'est fou. Allez, viens-t'en. Oui, on peut y aller. Oui. Allez, on attend. Parfait. On attend. Allez, on... Allez, on... Zare la fousard. Parce que c'est cool, une fousard. Non, c'est pas cool. Mais bref. En fait, je sais pas. Oh, ça fait mal! Bon. C'était quoi ce cri? Ce fait des cris tellement chelous parfois. C'est fou. Allez. Oui! Jack, je t'adore. T'es tellement bon que t'es chaud! Bon, bref. Allez, on attend. Il faut finir le jeu aujourd'hui, Jack. On peut pas laisser le monde sans
sans la fin, allez. Ou sans craquage mental aussi, mais le craquage mental a commencé à cause de toi. T'es content? Fais attention. Oui, oui, parfait. On fait attention pour pas se cramer les fesses, puis tomber aussi. Ça serait idéal. On attend. On attend. Oui, parfait, Jack. Parfait. Bon, je trouve ça quand même assez loin. Je pense que je vais tomber, mais on va essayer. Oui, parfait. Ok, je suis assez tombé, mais non. Non, le checkpoint de... Oh non! On est sur des checkpoints tout pourraves, sérieux? C'est ouf. Allez, on attend. On attend. Coucou! Non, reviens! Reviens! Oui, oui, parfait, parfait. Sans commentaire. Allez, on attend. Bon, avec tout ça, j'espère que ça va arrêter, mes petits fers. Allez, parfait, parfait. Allez, Jack, t'es capable. T'es capable. Non. C'est un commentaire. Allez, on y va. T'es capable. Parfait. Phew, je pensais tomber, mais non. Allez. On attend. On va se faire brûler les fesses, non? Peut-être. Oui, parfait. On s'est pas fait... Bon, ok. On s'est fait brûler un petit peu les fesses, mais c'est pas grave. On y va. On fait attention. On attend. On attend. On attend. On attend. Allez, saute. T'es là. Oui, parfait. C'est parfait. Les. Non, folle. Oh, phew. Je pensais avoir foiré, mais non. Ok, parfait. Parfait. Allez, on va par là. On va par là-bas. On va par là-bas. On prend d'autres échos bleus. Et on prend la mécamouche. Là, il faut qu'on attende. Oui. Attendez. Comment qu'on a de piles d'énergie? Je m'en fous. Avec ça. Bon, bref, 62, ok. 97 orbes, il nous en manque 1, 2, 3, 4. Ok, parfait. On attend. Allez, on y va. On fait attention, ça va stabiliser, puis on saute. Et tu le... Jack, fais attention. On attend. Allez. Oui, parfait. Et on peut passer. Là, il y a une plaque, un puits d'écho bleu, un puits avec des orbes, mais on peut pas le ramasser tout de suite. Donc on attend. Et on va le libérer, le sage bleu. Bien joué, les amis. Le vieux Samos, vous avez bien jugé. Des grands tas de métal précurseurs. On ne peut pas laisser cette insidieuse création mécanique tout ravager. Je vais tenter de faire réagir le champ du bouclier en provoquant un flux énergétique entre le grand portail et moi-même. On fait comme ça. Et ben nous, pendant ce temps-là, on va chercher de l'aide. Complètement fini ce type. On voit Daxar qui a rien compris. Comme moi, en fait. Bref, on s'en fout. On retourne par là-bas, ramasser le puits. Et on ramasse toutes les orbes qui traînent. Non, oh, il y en a en masse. C'est fou. Alors, on attend. On attend, on attend, on attend. Parfait, on peut y aller. Go.
Là, il faut qu'on aille par là-bas. Je pense qu'on n'a pas encore fait cette partie-là. Ou peut-être que si. Oui, on l'a fait. Donc, que. C'est peut-être pas par là, en fait. En fait. C'est là-bas, on le voit. On le voit. Bon, salut. Bref. On y fait. Comme. Peut-être par là. On dirait oui, en fait. Oui. Oui, je crois qu'on y va par là, en fait. Bon, on y va. C'est parti, les amis. On y va. On y va. On y va. Non, ça, on y va. Allez. Oh, oui, c'est pas foiré. On attend parce que je me cogne la tête. Allez. Oh. Ah, putain. Voilà. On y va. Ça, c'est le sage var, je crois, qui est tout en haut. Je peux pas utiliser mon triangle, je sais pas pourquoi. C'est triste. Bref, on continue. Oh, de l'écho bleu. Hey, une mécamouche. Et on ramasse toutes les orbes. On en ramasse pas mal, c'est fou. Bref, allez. Je vais juste en ramasser d'autres. Et commencer. Là, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se retourne sur le prochain propulseur, voilà. Et on recommence. Oui, Daxar, j'ai compris. C'est fou. C'est fou comment Daxar aime se répéter. Allez. Ici, on va en ramasser quand même pas mal de... d'orbes précurseurs. Allez. On y va. Fais attention. Oh, Weasley. Je l'ai. Parfait. Ok, plus rien. On continue. On parle toujours plus de d'écho bleu, donc on doit faire vraiment attention. On attend. On n'a pas trop le choix, en fait. Maintenant, vu que j'ai plus d'écho bleu, c'est triste. Allez, on y va. On y va, j'espère. On y va. J'espère la voir. Oui, parfait. Et on ramasse toutes les orbes. Comment je suis rendu à d'orbes? Oui, il m'en manque 20, mine de rien. On avance sur les orbes. Et on brise ça pour libérer le Sage Zone. Là, créer des plateformes pour qu'on puisse aller au milieu pour aller affronter Gol et Maya. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la majorité des sages ont un petit peu la caractéristique de qu'est-ce que leur écho fait. Comme par exemple, lui, un petit fusil. Le sage rouge qui est plus costaud. Puis le sage bleu qui est plus technologie, on le voit. Plus technologie, donc on le voit avec nos pouvoirs d'écho bleu. Que ça fait apparaître des petites machines. Donc on y va. On fait attention pour pas tomber non plus. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire attention pour pas tomber? Voilà. On continue en faisant attention. Parfait. Ah, ça c'est parfait. Les plateformes ont pop. Ils ont apparu où à peu près? Ah, il y a. Je m'en avais oublié une mécamouche au début, à l'entrée. Donc c'est un petit peu ballot. Voilà. La mécamouche. La sixième. La septième, je pense savoir où elle est. Donc j'espère pas trop foirer. Hein? J'espère pas trop foirer.
Allez, parfait. On attend. Allez, parfait. On va par là-bas. Je crois que c'est par là-bas les plateformes. Eh oui. Le jeu est rendu à comment? 98%. Ok. Je crois qu'on a une scène post-générique quand on a fini le jeu à 100%, il me semble. Qui nous prépare à Jack 2, il me de mémoire. Donc, c'est à peu près tout. J'ai arrêté de me cogner la tête. C'est pas très amusant. Parfait. Y a rien. Non, il y a rien. Ok, là, il faut qu'on aille sur ces plateformes qui bougent, en fait, tout simplement. Puis monter tout en haut. Comme ça. Parfait. Là, on attend que l'autre plateforme pour monter. En fait, c'est des escaliers un petit peu bousants. Donc, on doit monter comme ça. Tout le long. Jusqu'en haut de la citadelle. Pour aller affronter Gol et Maya. Voilà, la dernière mécamousse se trouve là. Donc, c'est parfait. Non. Non. Tombe dans le trou. Ouais, parfait. Non. Je vais pas tomber là. Le checkpoint de la mort. Oh mon dieu. Non. Et parfait. Fais attention pour pas tomber non plus. Ça serait un petit peu ballot, mais j'ai réussi. C'est parfait. Et on continue. On a bientôt fini. Allez. Allez, on a bientôt fini. Come on, allez. Parfait. Allez. On attend que la plateforme arrive. Et parfait. Allez, tu l'as. Jack, pourquoi tu t'es pas accroché, hein? Tu me le dis, non? Non, c'est vrai, t'es muet. Allez, parfait. Ouais, la blague que j'ai faite, la super blague. C'est parce que t'es muet? Oui, Jack, dans cet épisode-là, est muet. Pas dans les autres. Dans les autres, il perd son mutisme. Puis ça laisse des blagues à Daxter pour ça. Donc c'est quand même assez drôle. Je trouve, perso. Bref, oui, je vous spoil tout le deuxième. C'est fou, hein? Que je sens que je vais raser si je vous le propose. Voilà, je pense que c'est le début, en fait. Le début que j'avais commencé par avoir toutes les orbes. Enfin, comment qu'il m'en manque, en fait, d'orbes? Bon, il m'en manque 13, donc je pense les avoir toutes, ici, à peu près. Et on a toutes les mécamouches, c'est parfait. Donc, une nouvelle pile d'énergie. Et voilà, Maxi Bourdon, ça veut dire que je les ai tous ramassés. Et on ramasse encore les petites orbes. Allez. Je sais pas. Ah oui, je les ai tous. Ok. Ok, parfait. Et on a la dernière pile d'énergie. Le super orbateur. C'est parfait. C'est beau comme nom en plus. Attends, sauve-moi d'abord. Bien joué, mes garçons. Vous êtes un vrai héros désormais. Je vais associer mon pouvoir découverte avec celui des trois autres sages. Et ensemble, nous ouvrirons le bouclier qui entoure le robot précurseur. Ouais, ça me semble un bon début. Et une fois le bouclier ouvert, qu'est-ce que vous allez faire du robot? Mais rien, Daxter. Nous devrons garder le bouclier ouvert. Et ce sera à vous de vous débrouiller pour détruire le robot. Oh, génial. Je vais pouvoir aider le type qui m'a changé en boule de poils et détruire la seule personne qui puisse m'aider. Sauf d'abord le monde. On essaiera de convaincre Cole d'aider Daxter. Tu arrives trop tard, Samos. Une fois que je posséderai de l'écho noir en abondance, je détiendrai la clé même de la création. C'est de la folie.
Si tu relâches autant d'éco-noirs, tu détruiras tout! Il n'y a qu'à voir ce qu'elle t'a fait! Elle nous a donné une beauté qui dépasse ta compréhension. Beauté? Vous vous êtes regardé dans un miroir récemment? Attends que nous ayons ouvert les silos, mon petit. Tu crois vraiment qu'être petit et poilu est grave? Quand je pense que vous avez fait tout ce trajet pour mon aide, imbécile! Profitez de vos places privilégiées pour assister à la recréation du monde! Tac! Prendons l'ascenseur et arrête ce robot! On a fini à 100%, voilà. Mon premier jeu sur ma scène qui est terminé à 100%. Et on est rendu au combat final. Donc c'est parti. Il n'est pas difficile de mémoire. Puis assez classe. Donc parfait. Donc c'est cool. Et on a des trucs pour faire le plein de vie. Voilà. Et on a un truc d'écho bleu pour tout simplement se rendre. En fait, on a une plateforme avant le combat. Donc c'est vraiment classe. Et je crois qu'il essaye de libérer l'écho. L'écho noir. Donc, je pense qu'il faut qu'on vise son œil. Il me semble. Ouais, c'est ça. Pour commencer le combat. Et voilà. Là, il faut qu'on commence le combat. Qu'est-ce qu'il envoie déjà? On est tombé. Ah oui, c'est ça. Faut qu'on remonte après qu'on aille... exploser son œil, faut qu'on remonte. Comme ça, avec l'écho bleu, c'est vastement classe. C'est fou. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai, il faut sortir des mobs. Ah, c'est moi? Allez-vous-en, allez-vous-en. Parfait, parfait, parfait. Parfait. J'en ai plus. Allez. Oh, j'espère pas faire un gros fail. Oh. Ça a fait un petit peu mal. Ça a un petit peu picoté. Voilà. On prend encore l'écho bleu. Oh, la caméra. On refait la même technique. Pour le faire exploser. Il va le faire exploser. Et je crois que c'est 3 fois qu'il faut faire. Je m'en rappelle plus. Ah... Je m'en rappelle le boss final, mais c'est tout. Oui, là, il faut qu'on ramasse de l'écho. Ok. Oh non. Oh, checkpoint de la mort. Oh non, il faut tout que je recommence. Allez, parfait. Bon, bref, c'est pas trop grave. C'est pas comme si c'était difficile. Bref, ah, c'est foiré, c'est tombé dans le trou. Ah, je l'avais même pas vu. Ah, non, c'est triste. C'est triste. Mais vraiment. On attend. Bon, c'est ça, il va faire pop des mobs, des lurkers. Et on tire dessus. Attends, arrêtez de me... Ils me foncent dessus. Sérieusement. Parce que je pense que c'est la seule façon de les battre, c'est vraiment avec de l'écho zone. Parce que vu qu'ils ont des pics, c'est pas évident de les frapper au corps à corps. Parfait. On remonte. What? Non, tu déconnes. Parfait. Je pensais avoir foiré, mais non. Ok, c'est cool. C'est cool. C'est vraiment cool. C'est où? Ok, bon, là, je ne tombe pas dans le trou. Fais attention, parce que je crois qu'il faut les faire exploser. Le but, c'est de... Fais attention. Le but, c'est de lancer sur sa... main. Allez. Parfait. On fait attention. On essaie d'éviter en même temps
les bombes qui a lancées. Bref. Puis on saute. On attend qu'il fait exploser ça. Et on redescend. Voilà, il manque, je crois, un coup. Là, le puits d'écho noir, on peut voir qu'il commence à augmenter. On fait attention, il nous lance ses bombes. Allez. Allez, lance. Oh. Oh non. Non, j'ai fait la merde. Oh putain, il faut tout que je recommence le combat. Oh, c'est chiant. Bon, ok, go, on vise. On vise son œil. Parfait. Et on attend, on recommence. On s'en va chercher de l'écho bleu pour sauter au-dessus de son puits qu'il a créé. Voilà, il explose. Tout le monde est content. Non, c'est pas... Ben, peut-être pas eux, mais moi, je suis content de les avoir fait exploser. Surtout que les bombes sont assez chiantes quand ils les tirent. Puis ça aussi, c'est quand même assez chiant, donc je vais essayer de perdre le moins de vie possible ici. Mais non, il est fou! Bon, ben, bravo. Ah non, c'est super sien parce que parfois j'en ai plus, donc voilà. Quand j'en ai plus, c'est chiant. Caméra, la caméra me fait assez chier. Bref, désolé du mot. Fallait que je le dise. La caméra est assez capricieuse plutôt. Je devrais dire ça, capricieuse. Là, on a fait... Oh non, merde. Surtout qu'il faut qu'on essaie d'éviter que ça nous explose à la gueule. Allez. Oh, phew. On l'a eu, mais faut qu'on évite ça. Parfait. Là, on peut remonter. Et recommencer pour... Je pense que c'est la dernière étape, celle-là. De mémoire, j'espère, en tout cas. Je veux pas encore foirer. L'épisode va durer une heure. Je m'en fous. Je termine le jeu maintenant. Je vais pas faire... Ouais, on se laisse dans le prochain épisode ou à suivre. À suivre. On fait attention à ces... Allez. On évite. Ouais, parfait. On recommence. Ah, on évite pas. Parce que j'ai pas réussi. Non, Jack. Bon, là, c'est la dernière ligne droite. Go. Parfait. Débarrasse-toi d'eux. Vous n'abandonnez jamais. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est vrai, c'est ça. Je m'en souviens. Ça, c'est Klaus. Regardez. De l'écho de lumière, ça existe. Il ne faut pas qu'il s'en empare. L'écho de lumière, ça pourrait me retransformer. Ou bien, ça pourrait arrêter ce robot. Rester poilu, sauver le monde. Quel dilemme. Bon, d'accord. On sauve le monde. Mais vite alors, avant que je change d'avis. Mais l'étape finale est pas aussi simple parce que je crois qu'il nous attaque encore. Là-bas. Et voilà, Light Jack. C'est méga stylé. Oh mon dieu. Et mon premier trophée platine. Oh, non, ok, je suis trop content. Avec cette magnifique danse en plus. Transformer? Ne t'inquiète pas, chérie. Tu sais ce qu'on dit.
Ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Oula, ok, ok. Tu possèdes un talent incroyable pour canaliser l'écho. Samus, il semblerait que c'est toi qui avais raison après tout. Et Kiera, je dois dire que sans ton aide et ton ingéniosité, rien de tout cela n'aurait été possible. Peut-être avons-nous trouvé un autre sage maintenant que Gol et Maya sont perdus. Oui, Gol et Maya. L'écho noir les a probablement détruits. Probablement. Ah, quelle importance! Ramenez-les, on leur fera leur affaire, pas vrai, Jack? J'ai dit pas vrai, Jack. Oula! Calme tes ardeurs, mon pote. Et voilà, on a terminé Jack and Daxter, The Precursor Legacy, avec un excellent accent anglais. Voilà. Moi, j'ai bien aimé, honnêtement. C'était le fun de redécouvrir le jeu. Le jeu n'est pas long, mine de rien, ça nous a pris 13 épisodes. Il est vraiment pas long. Le remplaçant va peut-être être plus long, je ne sais pas. Je ne sais pas encore c'est quoi le remplaçant, donc ça risque d'être plus long. Ça fait partie de la liste des jeux que j'avais le goût de vous faire de mon enfant. J'ai fait très peu de vieux jeux, mine de rien. De mémoire, le plus vieux, je pense, avant d'avoir commencé Final Fantasy, c'était Pokémon. Voilà. Puis même Final Fantasy... Même Pokémon est encore plus vieux, je pense que c'est le jeu le plus vieux que j'ai fait de ma scène, c'est Pokémon Rouge. Ouais, c'est ça, Rouge. C'est plus vieux. Bref. Là, on a le crédit, on peut le passer, on peut accélérer. Que je vais sûrement faire ça. Mais je vais vous parler quand même. C'était vraiment le fun de le refaire. C'est mon premier trophée platine en plus, sur PS3 pour vrai. Voilà, je sais pas quel jeu que je vais vous faire. Il y avait un jeu qui me tentait, mais j'ai vu une autre personne le faire, donc ça me tente pas trop de le faire parce qu'il le fait. Une autre personne que je suis, en fait, parce que j'ai ce principe-là que si c'est pas un nouveau jeu qui me tente, comme Zelda Breath of the Wild, c'est sûr que je vais vous le faire à sa sortie. Même si je sais qu'il y en aura d'autres qui vont le faire. Par exemple, un vieux jeu, par exemple, que ça fait quand même assez longtemps... qui est sorti comme Jack and Daxter, il n'y avait pas grand monde qui le faisait, que ils étaient abonnés, donc pour ceux qui l'ont fait, même si ça dépend aussi de mes envies, donc je ne sais pas quel jeu que je vais vous faire après, peut-être un même style, peut-être plus différent, plus sombre, je ne sais pas, on verra, voilà, et on pourra aller voir la scène post-générique. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire. Puis c'est ça. La musique est les musiques sont belles. Une musique. Ouais, sont excellentes. Les personnages, honnêtement, c'est bourré d'humour. J'ai le goût de vous faire Jack 2. Ça transe énormément avec le premier épisode. C'est vraiment extrêmement différent. C'est fou. C'est un petit peu comme je pourrais comparer FF10 avec FF10-2, qui sont extrêmement différents. Mais ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais pour autant, mais ils sont extrêmement différents. Donc ça dépayse un petit peu quand on commence Jack 2, quand on a terminé Jack 1. Comme que je vous ai dit, si je fais un jour Jack 2, je le fais pas à 100%. Tout simplement qu'il est quand même assez difficile et ça me tente pas trop de me suicider en vidéo. Voilà. Je crois qu'on peut aller voir la scène post-générique. Il me semble que ça amène pour Jack 2. Il me semble, de mémoire. Je ne suis vraiment pas sûr. Voilà, on passe tout le générique. Voilà, ça va tellement vite. Vous avez vu tous les noms. Ça va bien être.
Waouh, c'est une ancienne porte précurseur. On dirait qu'elle ne s'ouvrira que lorsque les 100 trous seront remplis de piles d'énergie. On est des héros, n'oublie pas. Nous avons 100 piles d'énergie. Et voilà, c'est la fin. En espérant que ça vous ait plu. L'épisode dure 1 heure, c'est pas grave. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir, surtout pour la fin d'un let's play. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau let's play. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout, et bye tout le monde. Allez, bye bye.